Voilà, taguez-moi ou les premiers. Hier nuit, j'espère que beaucoup ont vu le post que j'ai mis concernant ou les premiers, où je vous ai dit que c'est un corps et chacun est libre de défendre ses idées quand il s'agit de la Guinée. Mais comme le gars, il ne veut pas le respect, je vais lui mettre de côté. Oudi, je vais faire écouter. D'abord, c'est sa page qui est là. C'est lui qui a mis cette vidéo. Écoutez. Ils se tapent la poitrine. Ils disent tout ce qu'ils veulent. C'est parce que vous êtes tellement mou. Il faut oser le dire. C'est parce que le pouvoir est tellement mou qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils appellent des manifestations. Matin, midi, soir. Qui est Kunduno? Qui est Kunduno se taper la poitrine? Aller dans des radios, dire qu'on fait des villes mortes, insulter le président, manquer de respect aux membres du gouvernement. Franchement, le procureur de la République, jouez votre rôle. Franchement, moi je demande au monsieur le président, si vraiment ces gens, ils ne peuvent pas faire leur boulot, pardonnez, nommez-moi comme procureur de la République. C'est tout ce que je vous demande. Nommez le général 5 étoiles comme le procureur de la République. Ou du premier, cette vidéo, c'est face au président élu. Ça, c'était en 2000, vers les 2008-2009. Le président légal, voilà, de la République. La vidéo là. Moi, j'assume mes propos, Oudi. Moi, j'assume mes propos. Que ça soit le FNDC, que ça soit l'UFDG, je l'ai déjà dit. Eux, ils savent déjà où dit premier qui est Ansou Damaro. Voilà. C'est face au président Alpha Condé. Ça, la vidéo. Mais comme tu es une petite personne, maintenant, on va aller dans les vrais clashs. Où dit premier. Vous voyez que vous êtes limité dans la tête, que moi, Ansou Damaro, je suis si important. Moi, je suis important. Voilà. Non, 2018 plutôt. Excusez, 2018-2019. Voilà. Merci les gars de me rappeler. 2018-2019. Vous avez parfaitement raison. Mais comme Oudi Premier est limité, Alpha Madou, merci. Merci à tous ceux qui viennent de me rappeler. Dites à Oudi Premier que tellement qu'il est limité dans sa tête, il défend Mamadi. Moi, j'ai bien. Moi, je peux parler du bilan d'Alpha Condé. Pourquoi j'ai défendu le régime d'Alpha Condé? Je peux parler de ça matin, midi, soir. Voilà. Vous, vous dites que vous défendez Mamadi. Quel bilan? Quel bilan vous défendez de Mamadi ou du premier? Vous dites que non, les gens de défendre. Vous dites que de défendre Mamadi Doumbouya, de soutenir Mamadi Doumbouya. Ça fait 3 ans, ou du premier. Il faut dire aux Guinéens ce que le bandit Mamadi Doumbouya a fait. Il faut dire aux Guinéens ce que le bandit Mamadi Doumbouya a fait. Ou du premier. Vous voyez que vous êtes tous limités. Nous, quand on parle, moi je ne vais pas venir parler d'un blogueur. Non, je n'ai pas ce temps-là. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps. Au moment que je défendais le président Alpha Condé, moi, je parlais de son bilan, ce qu'il a fait. Mais vous, vous êtes là, que Damaro a dit ça. Oui, ça, c'était face à un régime légal. Le président Alpha Condé, il a été élu. Les vidéos dont vous parlez, 2019, il était le président légal du pays. Oudi, tu vois combien de fois tu es bête dans ta tête? La vidéo, ça dit, moi, mes propos d'hier, je parle d'un régime légal, d'un président élu. Et tout le monde comprend ça. Mais tellement que tu es limité dans la tête, que maintenant tu joues plus, tu n'es plus artiste. Tu ne veux plus parler de la musique, Oudi. Tu ne veux plus parler de la musique. Ta musique, tu gagnes quoi dedans, Oudi? Dis-moi, la dernière fois tu as fait un concert, Oudi, comme tu veux qu'on rentre dans ton paquet. Sinon, tout le monde a vu moi mon poste hier. J'ai dit, on va parler de la Guinée. Pas d'animosité. Mais comme c'est question de rappel, on va se rappeler. Oudi,
Au temps du président Alpha Condé, tu as oublié. Il faut sortir, tu vas jurer. Ton concert, 1 milliard, Oudi, on t'a payé, non? Oudi, tu n'es qu'un simple opportuniste. Tu n'es qu'un simple... Il faut sortir, tu dis, je jure, au temps d'Alpha Condé, pour ton concert, 1 milliard, on t'a pas donné. Ton studio, on t'a donné de l'argent. Si tu sors, tu jures, moi, je ne vais plus parler, Oudi. Moi, en Soudamaro, qu'est-ce que j'ai reçu du RPG? Moi qui parle. Moi qui parle. Qu'est-ce que moi j'ai reçu du régime d'Alpha Condé? Moi, en sous, je suis libre de dire ce que je veux. Moi, je critique le RPG ici. Des fois, Oudi. Moi, je ne suis pas un démagogue. Hein. Moi, je ne suis pas un démagogue. Moi, je ne suis pas un mendiant, Oudi. Moi, je ne crée pas de mouvements. Oudi premier. Moi, en sous d'Amaro, là, je peux parler comme je veux. Je n'ai jamais créé un mouvement où je n'ai jamais été au temps du président Alpha Condé à la présidence pour aller exposer mes problèmes. Oudi, tu as oublié ça. Grand, tu as tombé. Ils t'ont poussé, tu as tombé dans le jeu. Tu sais bien. J'ai dit, tu es tombé dans le jeu. Hier nuit, j'ai fait un poste ici. J'ai dit, Oudi, c'est mon corps. Je ne vais jamais lui manquer de respect. Mais concernant la Guinée, chacun va développer ses idées. Il y a d'autres qui pensaient que moi j'ai peur, ou bien Oudi me finance, ou bien Oudi fait quoi pour moi. Mais ceux qui t'ont poussé, ah, tu es tombé dans le jeu. Il ne fallait même pas, non, 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 rentrer dans les petits trucs de blogueurs. L'un des petits blogueurs, déjà sénégalais qui t'ont mis dans ça, ils t'ont mis à terre. Il fallait garder ton respect. Tu sais qui moi je suis. Oudi, quand on a échangé, concernant Mamadi, ce que je t'ai dit, il faut sortir devant le peuple de Guinée. D'abord, c'est là que tu sauras que si quelqu'un est sincère ou pas. Quand tu m'as appelé, qu'est-ce que je t'ai dit? Moi, je suis un homme de principe, Oudi premier. Tu le sais très bien, Oudi. Je t'ai dit que moi, en Soudamaro, je suis un homme de principe. Et ces principes-là, je t'ai dit. Je dis, tant que le bandit Mamadi Doumbouya, il ne respecte pas ses principes. Tu me dis, mon petit, ah, il faut laisser mon gars maintenant. Qu'est-ce que je t'ai dit, Oudi? Moi, je ne suis pas les jeunes que tu appelles ou tu donnes de l'argent là. Moi, je ne suis pas ces gens-là. Moi, je ne suis pas le jeune qu'on appelle en Soudamaro. Tiens ça. Oudi, tu le sais très bien, ce que je t'ai dit. Il faut sortir, tu vas dire au Guinée. Il faut sortir, tu as échangé avec moi. Ce que je t'ai dit, moi je ne suis pas un opportuniste, hein, Oudi. Voilà. Ce que je t'ai dit là, il faut sortir, tu dis aux Guinéens. Moi, les Guinéens savent qui est Ansou Damaro. Moi, mes propos hier contre le FNDC, je les assume. L'UFDG, ils sont conscients de ça, Oudi. Ansou Damaro, je vous ai dit, vous ne pouvez pas, moi. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. C'est que, quand quelqu'un est caméléon, que les gens ne lui font plus confiance. Moi, je ne suis pas caméléon. Moi, je suis un homme de principe. Moi, quand j'ai commencé à défendre, à soutenir le président Alpha Condé, c'est sur des principes. J'ai défendu. Moi, je n'ai pas été au palais pour des projets, dire au président Alpha Condé, je veux ça, ou mon concert. Vous êtes des artistes. Oudi, dis-moi, la dernière fois que tu as fait un concert, la dernière fois que tu as fait un concert, il faut nous dire, si tu es un artiste là, la dernière fois, Oudi, on se connaît dans ce pays. Oudi, on se connaît dans ce pays, on sait comment les choses fonctionnent. Ce n'est pas parce que tu es dans Ferrari, on connaît Oudi. Le dossier là, je connais. Ton G-Wagen, Ferrari, je connais tout, ne me pousse pas. Je connais le dossier, mais il y a un grand respect entre nous. Il y a un grand respect entre nous. Je n'ai pas voulu, mais allons-y seulement. Allons-y. Comme tu veux que je parle, voilà, je vais parler Oudi premier. Comme tu veux que les Guinéens sachent tout, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, je suis prêt. Sinon, les artistes, on est en Guinée, là-bas, on se connaît. Tes revenus, c'est où? Ta musique, ça t'apporte combien?
Mais comme tu veux, c'est le général maintenant, ils veulent te pousser. Moi, tu peux rien contre moi. Rien. Le CNRD, ils ont tout fait payer. Mais comme tu ne veux pas te mettre à ta place, tu veux maintenant tomber sur... Tu veux venir me provoquer, Allah, je vais bien te donner. Ça, je te l'ai dit. Quand il s'agit de la Guinée, là, je ne joue pas avec quelqu'un. Tes Ferrari, là, je vais dire aux gens comment c'est venu. Comment tu les as obtenus. Voilà. Tes Ferrari, là. Ton G-Wagen. Il ne s'agit pas de faire le beau devant les gens. Comme tu veux. Moi, tu as dit que moi, ma vidéo d'avant, là, moi, j'assume ça. Et personne, moi, ma position, là, personne. Tu as vu notre sortie à New York? Comment les gens sont venus? Et comment les gens étaient fans de Damaro? Personne ne peut changer Saoudi. Personne. C'est pas vous. Les gens ont parlé. Non, non, non. Surtout des gens comme vous. Quand on vous respecte là, gardez ce respect. Mais si vous n'aimez pas le respect, Allah, ça je ne vais pas laisser. Tu es tombé bas. Tu es tombé très bas avec moi. Moi, quand je parle des autres. Tu as dit ici que non, Mamadi a fait 2000 km de route. Où sont tes 2000 km de route? Oudi. Oudi premier. Il faut montrer aux Guinéens, quand tu soutiens Mamadi, quand Mamadi est venu, il a fait 2000 km de route. Où sont les 2000 km de route? Tu avais dit qu'à partir du 16, quand le courant sera 24 heures à Conakry, où est le courant 24 heures? Et quand vous voulez, Ramouna qui s'indégra. 2000 km. Mamou Labé, Nabarakana. Même la route nationale qu'on a laissée, eux-mêmes qui devaient terminer, les 2000 km, c'est où? Conakry, Tanene, Frocaria, Dubreka, aux alentours de Conakry, tout est gâté. La capitale aujourd'hui, tes 2000 km là, c'est où? C'est dans le rêve? Oudi. Il faut que tu aies Aguilera, une de quoi? Kaito Wayama. Toi, tu dis 2000 km. Où sont tes 2000 km? Tu as dit le 16, Conakry allait avoir le courant 24 heures. Où est le courant 24 heures? Au lieu que vous venez parler de moi, vous voyez combien de fois je suis si important, Oudi. Ça dit, tous les communicants du CNRD, vous ne parlez pas du programme de société de Mamadi Doumbouya. En principe, vous devez parler de ce que Mamadi a fait depuis qu'il est venu. C'est ce qui fera que les gens vont adhérer, les gens vont aimer Mamadi. Mais vous passez tout votre temps à parler de nous. Benito, des blogueurs, de nous, vous chantez même les blogueurs. Vous voyez, c'est nous, nous sommes importants, c'est nous. Vos petits artistes là, les Takana là. Et aussi Gisama, Isama Moutan en compte, c'est parce que nous sommes importants. Les artistes qui chantaient au temps du président Alpha Condé, chantaient qu'à l'État soit petit. Chantaient la route nationale. Chantaient les bâtiments, ce que le président Alpha Condé a fait. Les artistes conscients, eux, c'est ceux qu'ils parlaient. Mais vous, les blogueurs, parce que ce que nous disons, vous ne pouvez pas prouver le contraire. Vous ne pouvez pas prouver le contraire de ce que nous disons. Mamadi est venu, il n'y a pas de courant. Mamadi est venu, 19 200 personnes à la retraite. Il ne peut pas créer de l'emploi. Mamadi est venu, le sac de riz est aujourd'hui à 400 000. Mais au temps du président Alpha Condé, qui disait ça? Personne. Les gens parlaient que de démocratie, de autre chose. Mais la gestion du pays, le président Alpha Condé, personne ne sortait pour parler de ça. Mais regardez combien de fois vous êtes limités. Damaro a dit ça. Attendez, je vais encore jouer pour ceux qui viennent d'arriver. Moi, je vous ai dit, moi, j'assume mes propos ou du premier. Moi, c'est pourquoi je n'efface pas mes vidéos. Hein. Je n'enlève pas mes vidéos. Voilà. Nommer le général 5 étoiles comme le procureur de la République. Attendez, je vais mettre. C'est... Voilà. Qu'aux démocraties, eux, ils sont prêts par mille moyens. Vous salir. On tue des innocents dans le but de salir ce gouvernement. Au lieu que l'État aussi applique la loi, on est là, on nous dit, non, c'est la démocratie. Franchement, nous sommes fatigués de cette démocratie. Franchement, nous sommes fatigués. S'il y a des Guinéens à l'étranger qui sont souciés, c'est parce qu'il y a trop de laisser-aller. Voilà. Monsieur le procureur, vous avez pris une décision. Voilà. Moi, mes propos sont tellement clairs. Ou du premier.
Ça, c'était au début de mon blog. Et même les propos, je les assume. OK? Moi, mes propos, je les assume. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Oudi, toi, tu étais au palais. Tu étais devant le président Alpha Condé. Tu t'es mis à genoux ici. Monsieur le président, envoyez-moi même la vidéo de Oudi Premier où se met devant Alpha Condé. Ce soir encore, comme tu veux clash là, tu vas la voir. Comme tu veux clash Oudi Premier, tu vas la voir. Et Oudi Aloudé, Oudi, je jure, hein? Oudi Premier, comme tu n'as pas honte là, hein? On va bien te donner. On va bien te donner. Moi, mes propos, je les assume. Hein. Vous défendez Mamadi, dites-nous depuis 3 ans, depuis le bandit est venu, ce que le bandit a fait. Depuis que le bandit Mamadi Doumbouya est venu, ce qu'il a fait. Toi, tu as eu Ferrari au temps de Mamadi là. Moi, je connais. Mais c'est le respect qui faisait que je ne voulais pas me mêler de tes affaires. Ton G-Wagen, comment tu l'as eu? Ton Oudi TV s'est fermé. Tu vas nous dire de quelle magie? Hein? Oudi, je t'ai dit, il faut te calmer, hein? Il faut te calmer. Moi, je t'ai respecté. Mais comme tu veux rentrer dans le petit jeu des petits, là, sinon c'est très simple, tu as une audience. C'est très simple. Il faut dire aux Guinéens pourquoi tu soutiens Mamadi Doumbouya. Pourquoi ils doivent soutenir Mamadi Doumbouya. C'est aussi simple que ça. Au lieu que vos artistes berrent, les Takana, Sigissa, Général, Nereflama, Facebook, Ma, Asoriki. Mais réalité, Malibek Sarirara, 11 ans du président Alpha Condé, 230 000. Le port de Conakry était le port le moins cher. Mais je t'ai dit, j'attends la deuxième partie. Ça, c'est juste un avertissement pour toi. Ça, c'est juste un avertissement. Dans ma vidéo, ma prochaine vidéo, Allah, toi-même, tu vas regretter. Tu vas dire, ah, je ne devais pas provoquer le petit là. Wallahi billahi. Oudi, dossier Nanyira, nous mener et contre moi, c'est pas bon. Le respect là, il faut garder. Le respect là, ça c'est juste un avertissement. Ça c'est pour montrer aux gens, parce qu'il y a des gens qui pensent que moi, j'ai peur de quelqu'un. Mugaro Mamadi Doumbouya Yara Denara, Ngaro Mandiya. Ou j'ai pas eu peur de bandit Mamadi Doumbouya et de son clan. Je vais avoir peur de qui? Je vais avoir peur de qui? Hein? Je vais avoir peur de qui? Oudi. Ndangaro Mandiya. Ndena Meni. Donc, Moutafé Kolongo, Kayouamane, Moura Minibé, Lagineka, Moura Wayen, on va parler. Il faut te mettre à ta place. Hein. Tu es un artiste. Tu as vu le Moula en Côte d'Ivoire. Moula, il est avec les grands en Côte d'Ivoire, mais il n'est jamais dans la démagogie. Il y a eu 3e mandat du président Alassane. Tu n'as jamais vu Moula. Il faisait des concerts, des événements. On l'invite. Sa structure, ils viennent prester et autres là. Mais il n'a jamais fait des mouvements de soutien, fait de la démagogie. Oudi Premier, Moulard en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi toute la jeunesse ivoirienne, même africaine, ont le respect pour le Moulard en Côte d'Ivoire. Voilà. Sidiki Diabaté, Sidiki Diabaté, que tu dis ton frère. Au Mali, là, tous les mouvements pagaille, Sidiki Diabaté, tu ne le verras pas dedans. Parce qu'il vit de ses œuvres. Il va faire le plein de Bataclan. Donc, il faut te mettre à ta place d'artiste. Il faut te mettre à ta place d'artiste. On a un grand farina qui, au Kobri Tongowa, distribué. Ce n'est pas les chansons des artistes qui vont faire que Mamadi Rafa Mané, population, c'est les conditions de vie. Les conditions de vie ou du premier. Si le sac de riz, le prix diminue, l'emploi pour les jeunes, la sécurité, le courant, l'eau, les hôpitaux. Voici des programmes qui feront que les gens vont adhérer à Mamadi. Mais n'a cessé Mouna. Le pays ne fait que reculer. Vous êtes là en train d'insulter quoi les blogueurs ont dit. Aujourd'hui, les médias sont fermés. Oudi Premier, tu es fier de ça? Les médias sont fermés. Président Alpha Condé attend, les médias n'ont pas été fermés. Les gens ont critiqué ici. Tu dis que moi, j'ai dit à l'époque, oui. Il faut que le procureur il prenne ses dispositions plutôt. Mais aujourd'hui là,
avec Mamadou Doumbouya, qu'est-ce qui se passe? Au moins, on a arrêté les Foniké Mangé hier. Leurs parents, les avocats savaient où se trouvaient ces gens-là. Mais aujourd'hui, où se trouve Foniké Mangé? Où dit premier? Tu vois, ça dit, vous voulez parler du général? Monsieur le procureur, vous avez pris une décision. Elle est salutaire. Voilà. Donc, quand je vous dis vous êtes limité dans la tête, c'est ça. Oudi, Wallah, tu es limité. Ntambe, non. Tu as vu, tu t'es. Quand on dit tu es artiste, il a mené Erissa, Ira, secteur cuit. Mais si toi, tu dis que non, 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 tu veux devenir politicien, tu veux devenir blogueur, c'est-à-dire, même si des gens ne voulaient pas parler sur toi, ils vont parler de toi. Le respect, ça se mérite, go. Le respect, ça se mérite. Mais tu vas faire bir, mre minimane il combi. Parce que Imi était sa place. Tu ne veux pas te mettre à ta place. Oudi. Donc, ça, c'est un petit bonjour. Ntam prère go. Actuellement, actuellement, à la maison, je n'ai pas encore fini de régler mes trucs de voiture haute là. Je viens d'un accident. Na bangé. Énergie na nira. Je peux faire 10 vidéos actuellement bangé. Donc, on nous prêtons une tempérée. Voilà. C'est la réponse de ton poste. C'est la réponse de ton poste. Ntamugaro mamugyoya. Et le respect, je te dis. Tu veux le respect, je te respecte. Moi, le respect, tu me donnes 5, je te donne 10. Foutaise, tu me donnes 5, je te donne 1000. C'est comme ça chez moi. Le respect, ce que tu me donnes, je double. Mais foutaise, là, je multiplie encore. Non, moi, c'est bien. Aidez-moi, pour moi, c'est pire. Ou du premier. Voilà. Ça, c'était ton bonjour. C'est bien. Mais si tu veux rentrer dans le jeu, et je sais comment je vais sortir prochainement. Yep. Donc, ma katouche, donc, ouais, n'y garde Sindé. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà, c'était un petit bonjour. C'est mon coro, mais affaire de la Guinée, il n'y a pas de coro dedans. Coro, il piétine. Il a piétiné, mais il baboum. Mais falafé, on a lu des bandits du CNRD et on a profité du système. Oui, et on a profité. Population a torofé. Les écoles aujourd'hui sont abandonnées. Allez-y voir chaque rentrée. En Guinée, le ministère de l'Éducation devait refaire les écoles. Il n'y a même pas de table banc. Kiramuna, enseignant contractuel. 15 000 enseignants contractuels. 10 mois de salaire. Les boursiers guinéens aujourd'hui. Omuna Tanfalamade, Kodamaro, Obarato. Moi, je suis tellement important. Je suis tellement important que tous les communicants du CNRD ne font que parler de nous. Les soutiens font des musiques pour parler de nous. Moutana na non dira. O mouto rené New York na lore. Moutana na non dira. Voilà. Donc, Aziz So, merci à vous. Mohamed M.K. Komara. Barry Jamak. Non, Kuntigi, patriote. Nta, mise en garde nana ki grambe. Sinon, gra akolo. Je suis FBI. Ma service de renseignement est Sembegbo. Mais moi, Damaro, j'ai toujours des limites. Mering gire makia nara ni gire manakine. Nta nanakine. Nta singemu avance made. Nta nanakine. Ça, c'est juste avertissement. Mariama Mara, merci à vous. Dansoko, Dansoko. Moto propre. Siredeni Diawara. Sam Normand Wendino, merci à vous. Fatoumata, Fatoumata, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà. Abdraman Kamara, Diawara Baka, Keita Amadou, merci à tout le monde. Cheikh Ahmed Conte. Non, ils vont le regretter. Et Tambe et Nafé Narankoui qui c'est continuel. Ils ont soutenu le président Fakonde. Président Fakonde Maradangi. Ka, ou de mounana comprendre. Hein? Kaï mérite défendu moi. A défendu non dit moi. Non dit. Pourquoi tu lui défends?
Thank you.